Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ici Damien du collectif Teammate pour un nouveau tuto. Alors aujourd'hui, je vous propose de créer un petit compositing sous Photoshop. On va essayer de recréer les effets que l'on trouve sur les jaquettes de Battlefield. Alors pour arriver à ce résultat final, on va se servir de 5 images, comme vous pouvez le voir ici à droite. Donc la première image, le tank que l'on retrouve ici. La deuxième image, des bâtiments un peu d'eau et de gravillon au sol, donc pour tout simplement de la texture ici en bas de page, et donc les gratte-ciel, enfin les tours que l'on retrouve ici en arrière-plan. La troisième image, donc qui correspond aux soldats. La quatrième image, et ben c'est tout simplement un trottoir ici. Vous voyez qu'on retrouve ici pour donner une petite perspective au sol, et puis tout simplement un hélicoptère que l'on viendra insérer ici en haut à gauche. Je vous propose donc de commencer le tuto sans plus attendre. Allez, c'est parti. Je vous propose de créer un nouveau document. Donc, pour créer un nouveau document, on appuie sur les touches CTRL et N si on est sur PC et Command N si on est sur Macintosh. Ici, dans les paramètres prédéfinis, on va venir cliquer sur Format papier international et puis on va du coup prendre un ratio d'affiche A3. Donc une affiche A3, je vous rappelle que ça fait 29,7 cm par 42 en hauteur. En résolution, alors là on va pas se mettre en 300 dpi tout simplement pour des questions de poids. Là je vais me mettre en 72 dpi pour réaliser le tuto, sinon les sources elles vont être beaucoup trop lourdes à télécharger. Par contre si vous voulez imprimer cette affiche, je vous conseille fortement de mettre 300 en résolution, ou 150, ça peut encore passer, 150-200. Voilà, ici pour le tuto, on se met en 72 et on fait OK. Alors dans un premier temps, on va venir dans notre dossier source, on va venir prendre une première image. Donc là, on va venir sélectionner par exemple cette image, l'image numéro 4. On va faire clic droit, ouvrir avec Adobe Photoshop. Et on va venir faire CTRL A ou Command A pour tout sélectionner. Alors vous voyez, on a notre sélection qui enveloppe toute notre image. On va venir faire CTRL-C ou CTRL-C pour copier. On va revenir dans notre nouveau document. Et on va venir faire CTRL-V pour coller. Alors là, vous voyez que l'image dépasse en fait de notre zone de travail. Donc on va appuyer sur CTRL ou CTRL- pour dézoomer à fond. Et tout en appuyant sur Shift, on vient sélectionner donc l'angle par exemple en bas à droite, et on va venir réduire tout ça. Alors pourquoi on appuie sur Shift? Tout simplement, vous voyez, pour garder les proportions. Donc on essaye de se mettre à peu près à la même largeur que notre document. Voilà, à peu près, hein, ça a l'air pas mal. Et on fait OK. Donc cette image, on va venir la mettre tout en bas. Ce qu'on peut même venir faire dans un premier temps aussi, c'est double-cliquer sur l'arrière-plan pour le déverrouiller. Par défaut, l'arrière-plan est verrouillé, là on vient de le déverrouiller. Et en appuyant sur les touches CTRL-T ou CTRL-T, pour transformation manuelle, on va venir afficher les repères, enfin les règles. Donc si les règles sont masquées, comme moi, là, on appuie sur CTRL R ou commande R pour les afficher. On vient prendre un repère dans la marge de gauche, on clique carrément sur les règles, on laisse le clic enfoncé, et puis on va venir, vous voyez, cibler le milieu absolu du document. Donc là, le milieu absolu correspond à ce petit carré que vous retrouvez au milieu. Il y a un magnétisme, donc du coup on ne peut pas se foirer. Tac, on lâche et on fait entrer. Parfait. Du coup, ça nous permet après de centrer nos éléments par rapport à ce repère. Donc, si bien que si je clique sur le... Enfin, si je sélectionne le calque 1 et que j'appuie sur CTRL-T, vous voyez que là, si je zoome, le milieu absolu de mon calque n'est pas centré par rapport au milieu absolu de ma page, par rapport donc au repère. Donc, avec quelques petits coups de flèche directionnelle, vous voyez que je peux facilement me centrer. Voilà, c'est une petite astuce à connaître. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir cliquer ici
Donc sur la petite icône, créer un calque de remplissage. Et on va venir cliquer sur noir et blanc. On fait OK, donc ça les propriétés pour l'instant on s'en fiche. Alors le fait de mettre déjà ce calque de propriétés en noir et blanc, bah, ça va nous permettre de mettre tous les calques que l'on va insérer juste en dessous en noir et blanc. Donc là en fait on aura une composition en noir et blanc. Ce qui va nous permettre aussi de poser nos éléments petit à petit pour après pouvoir appliquer des effets. Donc là on est bon. Donc là, on va venir créer sur le background enfin, on va venir remplir le background d'une couleur. On va venir cliquer sur le sélecteur ici et on va venir lui indiquer dans la valeur hexadécimale 1D 20 25, ce qui nous donne un bleu assez foncé. On va remplir donc le background de cette couleur en faisant édition remplir couleur de premier plan, puisqu'on est bien ici en bleu marine en premier plan et non pas en arrière-plan. On fait OK. Donc soit on fait cette technique, soit on appuie sur les touches commande et shift et retour, pardon. La touche retour étant juste au-dessus de la touche entrée. Et puis du coup, ça nous évite de faire une manip de cliquer sur édition remplir et on a juste à faire OK pour valider. Par contre, vu qu'ici on a notre calque de remplissage noir et blanc, vous voyez que tous nos calques qui sont en dessous sont forcément en noir et blanc. Donc le bleu là, on le voit pas forcément. Donc on peut venir lui appliquer un petit dégradé dans le masque. Parce que vous voyez qu'à chaque dès lors qu'on a créé en fait notre calque de remplissage, il nous a créé ici un masque automatiquement. Donc on va venir cliquer dessus. Et alors faites attention de bien vous positionner sur le masque, hein, donc la petite fenêtre blanche, sinon ça ne va pas marcher. Et on va venir cliquer sur l'outil dégradé ici. On fait bien attention de se mettre en noir et blanc en premier plan. Et vous voyez qu'on peut donc du coup lui appliquer un dégradé à ce masque. Donc généralement ce que je fais, moi j'appuie sur Shift, vous voyez, pour rester droit, pour avoir un dégradé parfait. Voilà, donc on va essayer de faire un dégradé dans le haut du document. Donc c'est-à-dire que la partie du milieu. Enfin, la partie basse, on va la laisser en gris. Donc ça me paraît pas mal. Et on va venir récupérer une autre image. Donc là, on va prendre l'hélicoptère. On va faire ouvrir avec Photoshop. Donc clic droit, ouvrir avec Photoshop. Comme tout à l'heure, hein, commande A pour tout sélectionner. Commande C pour copier. On retourne dans notre nouveau document. Et puis, on va venir se positionner au-dessus du calque 1, qu'on peut renommer aussi, hein, qu'on peut appeler Sol par exemple. Et on va venir coller ça ici. Alors vous voyez le fait d'avoir mis un dégradé, ouais, c'est marrant. Donc là, notre image reste bien en couleur. Et petit à petit, grâce à ce dégradé, elle redevient en noir et blanc. Voilà. Donc des fois, ça peut faire des effets sympathiques. Donc là, comme tout à l'heure, elle est beaucoup trop grande, donc on va venir dézoomer, appuyer sur CTRL T, et on va essayer de la réduire un petit peu. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est l'hélicoptère. Donc voilà, ça me paraît pas trop mal. Peut-être qu'on pourra encore le réduire. Et on va toujours appuyer sur CTRL T, et en faisant clic droit, on va cliquer sur symétrie horizontale. Comme ça, ça va nous permettre de le mettre dans l'autre sens. Donc là, effectivement, il est un petit peu grand, donc on va le réduire encore un petit peu. Voilà, ça me paraît pas trop mal. Pour enlever le repère, on appuie sur CTRL ou commande H. OK, donc là c'est bien. On va venir maintenant récupérer de la matière qu'il y a donc dans le ciel, vous voyez les feuilles volantes, pour en fait supprimer les arbres, et puis l'herbe, etc. Donc on vient se positionner sur le tampon. On lui donne une forme diffuse. Hein, donc une forme diffuse, n'importe laquelle. En épaisseur, on peut se mettre à peu près entre 80 et 90. On se met en opacité à 100%. Et là, on va appuyer sur Alt. Vous voyez, dès qu'on appuie sur Alt, on a une petite cible. Et si donc j'appuie sur Alt et que je me positionne sur le nuage, ou par exemple non, on va plutôt faire sur l'hélicoptère, et que donc là on appuie sur Alt, on clique sur une partie de l'hélicoptère. Si je me mets un peu plus bas
dans l'image, vous voyez déjà qu'au niveau de mon curseur, j'ai une partie de l'hélicoptère qui peut se dupliquer. Et là, regardez, si je clique et que je reste enfoncé, donc je viens récupérer en fait la matière de l'hélicoptère. Voilà. Donc là, on va pas faire ça, mais on va venir récupérer donc les feuilles et quelques nuages. Donc on appuie sur Alt, et puis on va venir voilà, récupérer de la matière. Donc restez plutôt dans les zones hautes, comme ceci, et réappliquer après du coup au niveau des arbres. Faire attention parce que du coup si je me mets ici sur le nuage et voyez que je redonne des petits coups, en fait il prend en compte le bord du document, donc en fait il peut pas aller plus loin. Donc c'est pour ça qu'il faut rester à peu près au milieu de l'image, ou sinon donner des petits coups un peu moins importants. Voilà. Ok, bon, on va dire que c'est à peu près bon. N'hésitez pas aussi à revenir dans le bleu de l'image. Sinon ça fait un peu trop de nuages. Bon, c'est pas grave, après si on duplique l'hélicoptère, hein, hop, on se replace un peu plus haut, on resélectionne une feuille ou un nuage et on le réapplique. Ok, bon là on va dire qu'on est à peu près bon. D'accord, maintenant on va venir recréer un masque juste à côté, enfin sur ce calque 1 qu'on va appeler même hélico. On crée un masque, donc pour créer un masque, c'est cette petite icône, on clique dessus. Et comme tout à l'heure, pour le calque noir et blanc, on va cliquer sur outil dégradé, donc on fait bien attention d'être sur le masque. Et en appuyant sur Shift, voilà, donc on essaye de se mettre vraiment dans la partie basse donc de l'image. Donc la partie basse de l'image se trouve ici. On clique, on appuie sur Shift et on relâche. Vous voyez, du coup, la matière de mon image se fond un petit peu avec le calque qui est en dessous. Donc on peut être encore un peu plus précis, hein. Voilà, comme ça, ça me paraît pas trop mal. Ok. Si on veut un petit peu plus de noir au niveau de l'hélicoptère, bah par contre, va falloir refaire le dégradé au niveau du masque. Vous voyez? Comme ceci, ou carrément là, dans l'autre sens. Après, ça dépend de l'effet que vous voulez donner. Donc nous, l'idée, c'était plutôt d'avoir du gris dans la partie centrale jusqu'en bas et un peu plus de couleur en haut. Voilà, donc là on peut se laisser comme ça. On va venir récupérer maintenant l'image avec les soldats, donc l'image numéro 3, ouvrir avec Photoshop. Et puis là on peut peut-être venir déjà éclaircir un peu tout ça parce que ça manque de blanc. Donc en appuyant sur Commande L ou Contrôle et L, on vient ouvrir les niveaux. Et là, on va se positionner sur la petite flèche qui correspond au blanc, vous voyez. Donc si je tire ma flèche vers la gauche, bah, mes blancs deviennent plus lumineux. La flèche du milieu, ça correspond donc au gris, en fait, on va dire, de l'image, à l'intermédiaire entre le noir et le blanc. Donc là, c'est le noir, vous avez compris que si on pousse, on contraste à mort les noirs. Donc là, l'idée, c'est juste d'éclaircir un petit peu les blancs. On valide. Et là, on va venir sélectionner notre, ou même pas, on va venir cliquer ici sur outils de sélection rapide. On peut se mettre en épaisseur, allez, 75. Venir zoomer un petit peu. On peut peut-être baisser un peu l'épaisseur, on se mettre en 60 plutôt. Et là, en fait, vous voyez, on vient cliquer, on laisse le clic enfoncé et on va venir détourer tout simplement notre image. Alors là, si on déborde,
C'est pas très grave, on appuie sur Alt. Vous voyez qu'il y a un petit moins dès que j'appuie sur Alt. Et je reviens cliquer sur la zone où j'ai dépassé. Voilà, donc là on va venir. Donc là pareil, là on peut enlever. Tac. Un peu de matière et en remettre. Alors ne pas hésiter des fois à baisser l'épaisseur du pinceau hein, si on veut être précis. Bon, on va pas trop tracasser là parce qu'on verra tout à l'heure comment peaufiner tout ça. Là c'est vraiment histoire d'avoir tous les marines. Voilà. Il en manque un ici. Un petit coup de halt si on dépasse. Là, on a dépassé un petit peu. Voilà. Encore une fois, ça sert à rien de vraiment s'appliquer. Vous allez voir pourquoi. Voilà, on détourne. Si vous trouvez que c'est trop long, vous prenez une forme un peu plus grosse. Voilà. Les chaussures, là, je dépasse un petit peu, c'est pas grave. Ok, on peut prendre peut-être un petit peu du sol aussi hein, pour les ombres. Ce serait pas mal. Voilà, on essaye l'idée c'est d'arriver à ce genre de sélection. Donc là, on n'est pas trop mal. Donc une fois qu'on a sélectionné tout ça, bah le petit gun, on peut aussi peut-être le remettre dans la sélection, voilà. Une fois qu'on arrive à peu près à ce résultat, on a juste à faire CTRL-C pour copier. On revient dans notre composition et un coup de CTRL-V ou de CMD-V pour coller. Donc là, vous avez vu que c'est un petit peu... le calque est encore un peu trop grand. On va venir déjà le mettre au-dessus d'hélico. On va le renommer en, je sais pas, Marines par exemple. On appuie sur CTRL-T. Et on va venir, tout en appuyant sur Shift, diminuer notre image. À peu près comme ceci. Voilà. Donc là, vous voyez qu'on a, si on allume le calque et qu'on l'éteint, là, c'est pas très propre au niveau de, du sol. On voit les cassures, hein, du découpage. Donc, encore une fois, on va venir créer un masque en cliquant sur cette icône. On reprend une forme diffuse. Là, on peut se mettre à peu près en 50 pixels. Comme ceci. Et puis on va venir tout simplement donner des petits coups. Voilà, pour enlever la matière. On peut peut-être essayer de garder certaines ombres des soldats. Voilà, comme ça. Ok. Bon, ça me paraît pas trop mal. Si on mord donc sur le pied par exemple comme ça, c'est pas grave, on se remet en blanc. Hop. On repasse par-dessus. Voilà, on essaye de gommer tout ce qui peut nous gêner. Comme ça. Et voilà. Donc là, on est bien. Maintenant, on va venir récupérer le tank. Alors le tank, c'est l'image 1. Ouvrir avec Photoshop. Clic droit, ouvrir avec Photoshop. Et comme tout à l'heure, hein, on prend l'outil de sélection rapide. Et on va venir sélectionner grossièrement hein, le tank. Pareil, si on dépasse, on donne des petits coups de halt. Voilà. Ok. Voilà.
on appuie sur Alt si on dépasse. On n'est pas obligé de tout prendre en détail. On peut peut-être encore récupérer un petit peu de matière au sol. Ouais, bon, si on peut peut-être tout prendre au niveau du sol. Et quand on est OK, et eh bien pareil, hein, un petit coup de CTRL-C pour copier ou de commande C. On se remet dans notre nouveau document. Et puis on va venir coller. Alors là, il est encore énorme, hein, donc on dézoome, on appuie sur CTRL-T, on appuie sur Shift pour garder les proportions. Voilà. Et on essaye de, en fait, de lui mettre la même largeur que la taille de notre document. Donc là, je pense qu'il est encore un peu grand, mais c'est pas très grave. Hein. On se place juste derrière, en dessous du calque des marines. Donc là, on peut l'appeler tank, ce calque. On se positionne derrière, à peu près. On peut peut-être aussi appuyer sur CTRL-T, clic droit, maintenant, symétrie horizontale, pour le mettre de l'autre côté. Donc là, les marines sont peut-être encore un petit peu grands, hein, donc on peut recliquer sur le calque, CTRL-T, et venir diminuer tout ça. Voilà, on peut essayer de se mettre comme ça. On va essayer de laisser une petite marge entre son bras et le bord du document. Ce qui va nous permettre de placer le tank juste derrière. Par exemple, comme ça, ça me paraît pas mal. On peut peut-être le réduire un petit peu, le tank aussi, hein, si on trouve qu'il est trop grand. Voilà, donc on essaie de faire une petite composition sympathique. Une fois qu'on est OK, bah là vous voyez qu'aussi au niveau du sol, du tank, ben ça se fond même à moitié bien dans la composition, mais on pourrait être un peu plus précis en refaisant un masque et en reprenant notre petit pinceau, en lui mettant une opacité, je sais pas, de 50. Et vous voyez, petit à petit, ben, on va venir gommer la matière. Donc le fait de le mettre à 50, vous voyez, on passe une fois dessus, le calque ne disparaît pas complètement. Il faut passer deux fois dessus pour que ça disparaisse à peu près correctement. Donc ce qui nous permet de fondre bien les éléments les uns par rapport aux autres, surtout si on a plusieurs calques en dessous. Donc là, on est bon. On va venir récupérer une autre image. Donc on ne s'est pas servi de celle-ci, donc on va venir l'ouvrir avec Photoshop. Donc là on va venir récupérer la partie basse de l'image, à savoir les petits cailloux, la flaque d'eau. Donc on prend l'outil rectangle de sélection et on vient sélectionner la partie basse. CTRL-C pour copier. On se replace dans notre nouveau document et CTRL-V pour coller. Donc là on se place juste au-dessus de sol, par exemple. Et là, si on fait CTRL-T, on s'aperçoit que c'est un petit peu trop grand tout ça. Mais que ça peut peut-être nous intéresser quand même grâce... Bon, en fait, j'aime bien la mare là. Donc on va pas la réduire énormément. On va essayer de mettre tous les soldats avec les pieds dans l'eau, vous voyez. Donc on essaye de se déplacer comme ça dans la composition pour que tout le monde ait les pieds dans l'eau. Ok, donc là on peut l'appeler sol 2 par exemple. Et on lui réapplique un masque aussi, sol 2. On reprend l'outil pinceau, on se remet en opacité 52, hein, en forme 50, on peut peut-être booster un peu tout ça, se mettre en 90 à peu près. Et là on va essayer de gommer, voilà, de faire fondre. Vous voyez qu'il y a une sorte de trottoir qu'on va essayer de récupérer. Voilà. Et de l'autre côté, je ne sais plus où il est le trottoir. Voilà, il est à peu près ici. Donc pareil, on va essayer de venir de. On va essayer de le récupérer. Tout ce qu'il y a derrière là, on peut. Tout ce qui nous gêne, on peut peut-être essayer de venir de gommer tout ça. Voilà. Donc on essaye de garder un petit peu de caillasse, un petit peu de flaque d'eau, histoire de.
bah, donner un peu plus de texture à la compo. Au niveau des pieds, là, j'ai vu du petit bonhomme, c'est pas terrible. Là, j'ai dû trop le gommer. Donc, je vais me remettre en blanc. Je vais baisser un peu l'opacité, enfin l'épaisseur de mon pinceau, plutôt. Et je vais essayer de lui redonner de la matière au niveau de ses chaussures. Voilà. Là, il y a un petit, une sorte de petit halo, c'est pas terrible, terrible. Donc si vous aimez pas ce genre de petit reflet qu'il y a, vous voyez, sur le côté, vous prenez une forme, non pas diffuse, mais pleine, et vous vous mettez par exemple en 5 pixels, ça devrait aller, et en opacité, on se met en 100%. Donc là, on appuie, on clique, on appuie sur Shift, et vous voyez, tout en appuyant sur Shift, on vient couper l'opacité. Pas l'opacité, mais la matière. Voilà. Faudra que je vous donne un exemple un peu plus concret. Par exemple, sur... vous voyez, tiens, sur le rebord de son casque, il y a une petite lumière, un petit liseré. Donc pareil, hein, vu que j'ai mon masque, je clique avec le pinceau à peu près à ce niveau. J'appuie sur Shift pour rester droit. Et voilà, je donne des petits coups pour enlever tout ça. Ce qui stylise un peu le tracé, hein, là c'est si on a mal détouré avec l'outil rectangle de sélection, sélection rapide, il y a des petits crénelages, vous voyez, des fois, donc c'est une petite technique qui marche pas trop mal, hein, pour styliser un tracé. Voilà, par exemple. Voilà. Donc n'oublie pas de faire Shift, tout simplement pour... Ça vous évite de, vous voyez, de donner des coups. Enfin, on est beaucoup plus précis, quoi, en faisant Shift. Donc bien sûr, dans des zones où on a vraiment besoin d'être précis, il n'y a pas forcément besoin de faire Shift, hein, comme là par exemple, vous voyez. Je me mets en 1 pixel et là j'enlève pixel par pixel. Voilà, et là par exemple il y a un petit jour. Et ici aussi il y a un petit jour. Bon, voilà, c'était une petite aparté. Donc là, on va venir se repositionner sur l'image numéro 2 et on va s'occuper de la partie haute de l'image, donc à savoir les buildings. On prend l'outil rectangle de sélection et on va venir tout simplement récupérer les buildings. Donc voilà, on copie à peu près la moitié de l'image dans le sens de la hauteur, hein, sur toute sa largeur. CTRL-C. On se replace dans notre composition et là on se met juste au-dessus de l'hélicoptère, du calque hélico, et on colle. Donc là vous voyez qu'on aurait très bien pu laisser ça comme ça. Mais bon, moi je trouve ça un peu gros, j'aimerais bien que la ville soit un peu plus petite. Donc on appuie sur CTRL-T pour transformation manuelle, on appuie sur Shift et puis on va venir réduire tout ça. Hein. Voilà, à peu près comme ça, ça m'a l'air... pas trop mal. Et là bah après on se repositionne un peu comme vous voulez, hein. On essaye de laisser la petite tête du marine, vous voyez, entre les deux trous là, des tours. Alors, ça me paraît bien si vous voulez faire un peu comme moi. Et là on va venir enlever toute la matière, vous voyez, du ciel en fait du calque 1 qu'on peut renommer en calque ville. Donc on réapplique un masque, on zoome un peu pour être plus précis, on va refaire la technique du pinceau, du shift-click. Donc on se met en forme pleine, pas diffuse, en 11 pixels ça me paraît bien, opacité 100% ok. Et là vous voyez, on appuie sur shift-click, et on va venir détourer tout simplement l'image. Tac. Bon, si on n'est pas précis, c'est pas non plus très très grave. Alors là, il y a le fond de l'hélico blanc qui doit nous gêner un petit peu. Donc, ne vous fiez pas à ce fond. Continuez à détourer. Voilà. Donc là, on peut prendre une forme un peu plus épaisse. Et puis, on va venir enlever tout ça. Voilà. Par contre, vous voyez, c'est où j'ai mon curseur. Donc c'est blanc, et en fait, ça vient du calque hélicoptère.
Parce que le calque hélicoptère, si je le remets ici au premier plan, vous voyez, c'est le nuage blanc là qui nous embête un peu. Donc j'ai bien envie de reprendre de la matière comme tout à l'heure. Par exemple, je sais pas, par là. Tac. Et du coup, enlever ce nuage qui m'embête. Voilà. Donc là je pense que c'est bon, donc on va repositionner le calque juste en dessous de la ville. Voilà. Donc là ouais ça me paraît mieux, vous voyez, on va garder un peu de matière ici. Donc on va continuer à détourer, enfin, à enlever le ciel de notre ville, donc on se repositionne bien sur le masque. Hein. Et puis, on va venir enlever ce qui nous gêne. Voilà. Donc pour être plus précis, on peut baisser l'épaisseur, hein, vous voyez, pour les coins ici, par exemple. Tac. N'hésitez pas à faire du shift. Clic shift, hein, vous voyez, clic shift. Pour styliser, donc... le tracé en fait. Shift-clic. Voilà, ça va plus vite en plus comme ça. Hop, on peut se mettre en épaisseur un peu plus gros et venir enlever, voilà, ce qui reste. Et ici aussi. Donc là, on va revenir sur une forme un peu moins épaisse, hein, pour être précis, au niveau des tours. Ici, clic shift. On reste. De toute façon, vous gardez votre touche shift enfoncée. Voilà. Donc là, c'est. Ça me paraît bien. Donc là, on a le haut du building qui est un petit peu rogné. Donc peut-être tout à l'heure, on pourra lui rajouter un peu de matière. Mais là, là c'est pas mal. Donc par contre, vous voyez que l'hélico devrait passer, la queue de l'hélico devrait passer au-dessus là. Donc ce qu'on peut venir faire, c'est replacer l'hélicoptère au-dessus de ville, reprendre l'outil sélection rapide. Vous voyez, on essaye de resélectionner l'hélicoptère. Et là, il faut être un peu plus précis. Hein. Donc si vous avez sélectionné le ciel comme moi. Bon, on appuie sur Alt, donc n'hésitez pas à zoomer, hein, baisser l'épaisseur aussi. On appuie sur Alt pour enlever donc la matière en trop. Voilà. Donc là on est à peu près bien. Et on va donc remettre le calque hélico en dessous du calque ville. Et là, vu que le calque ville, vous voyez, a aussi un masque. Donc attention de ne pas désélectionner en fait notre sélection. Donc on se replace sur le calque, le masque ville, et là on fait édition, remplir. Donc là ça va nous remplir de noir, donc la couleur premier plan, la sélection de l'hélicoptère dans le masque de la ville. Voilà, tout simplement. Et comme ça, notre hélicoptère passe au-dessus de la ville. Alors. Peut-être qu'ici, vous voyez, il y a des petits liserés blancs, c'est pas super bien détouré. Donc on se replace sur le calque ville, le masque ville. Et on va venir se remettre en blanc, en premier plan, baisser un peu l'épaisseur. On se met en 5 à peu près. Et pareil, on va venir donner des petits coups de shift-clic. Tac, shift-clic. Voilà, pour... enlever en fait ce petit liseré, comme ça on a vraiment l'impression que c'est réel, hein, que l'image n'est pas détourée. Ok, donc là on est pas mal, hein, quand même. Je sais pas ce que vous en pensez, moi ça me plaît bien. Donc on peut peut-être venir enlever cette partie blanche ici de l'image. Donc si on fait un clic droit,
On voit que c'est le calque hélico en premier, hein. Donc le blanc provient de l'hélico. Donc on peut peut-être venir se replacer sur le masque, se remettre, je sais pas, en 30-40, hein, en épaisseur, opacité, on peut se mettre entre 40 et 50. Et voilà, venir enlever un peu de matière, comme ceci. Voilà. Alors par contre, le noir là, je l'aime pas trop. Un petit bout de noir. Je sais pas trop à quoi ça correspond. Donc là, c'est au calque sol, vous voyez. Donc, comme tout à l'heure, on peut peut-être se repositionner à peu près ici, prendre le tampon, appuyer sur Alt. Et vous voyez, donner des petits coups de clic pour rajouter de la matière. Ok. Donc là, on est bien au niveau de l'hélicoptère. Si vous aimez pas, là, il y a un peu de matière grise, vous voyez ici. Je sais pas trop d'où ça vient. C'était sur la photo, on dirait que c'est à moitié des herbes et tout. Donc, si vous aimez pas trop, vous pouvez vous repositionner ici au niveau du calque hélico et tout simplement remplir de noir. Donc, recibler la couleur avec la pipette, par exemple, vous voyez, de l'hélico. Et remplir, ou vous mettre carrément en noir 100% et venir remplir d'une couleur diffuse plutôt. Voilà, mais après vous allez vous amuser jusqu'à la queue, quoi. Moi je vais pas le faire parce que sinon le tuto il va durer 4 heures. C'est pas le but là, le but c'est vraiment de vous montrer comment faire un compositing. Donc là là on est pas mal. On est même très bien. On va pouvoir rajouter maintenant des petits effets. Donc faut savoir que c'est comme en photographie, hein, si on fait de la mise au point sur, je sais pas, par exemple, ce groupe de Marines, forcément l'arrière-plan sera. Les éléments dans l'arrière-plan seront un peu flous. Donc on va venir flouter notre tank, nos bâtiments et puis notre hélicoptère. Donc là, clic droit sur au niveau du tank, on vient recibler le calque tank et on va venir cliquer sur filtre flou gaussien. Donc là vous voyez que mon calque tank est devenu un peu plus flou. Là si je me remets en 0, là il est net. Plus j'augmente le rayon, plus il devient flou. Donc n'hésitez pas à jouer là-dessus, hein, dans vos compositions. Donc là on peut se mettre en 1 pixel au niveau du flou. Vous voyez déjà, c'est un peu plus réel. Et au niveau des bâtiments, on va faire un peu pareil. Pour appliquer le même filtre, donc le dernier filtre à un calque, on appuie sur CTRL ou commande et F. Là, vous voyez mes bâtiments, ils se floutent. Voilà. Donc je pense que ça sert à rien non plus de trop les flouter les bâtiments. Je vais essayer quand même de mettre une valeur un peu plus grande, mais je pense que ça va pas être terrible. Ouais. Bon, on peut peut-être se mettre en 1.5, 1.5 plutôt. Voilà. Donc là on est pas mal. Au niveau de l'hélicoptère, pareil, hein, on va essayer de venir flouter tout ça. On peut appuyer sur CTRL et F ou commande F pour appliquer le même flou que les tours. Par contre, c'est peut-être un peu trop flou là. On va peut-être se remettre en 1 plutôt. Filtre, flou gaussien. On va se remettre en 1 plutôt. Voilà, ça me paraît un peu mieux. Ok. Et par contre, vous voyez que la queue a récupéré un petit liseré là. C'est pas terrible. Donc on va peut-être essayer de venir gommer encore. Donc si on se remet en blanc, en épaisseur, à peu près 5 pixels, en forme diffuse, en forme pas diffuse mais pleine, peut-être venir redonner des petits coups. Ça, c'est à cause du flou, hein, tout simplement, c'est normal. On aurait dû faire ça, on n'aurait pas dû le faire tout à l'heure, le shift-click. Voilà. Mais bon,
pas très très grave non plus. On peut vraiment tout rattraper, hein, ce qui est bien avec Photoshop. Ok, donc là, là moi ça me paraît bien. J'ai bien envie de rajouter une sorte de cale de remplissage en dégradé, histoire d'assombrir un peu les coins de l'image. Donc à la limite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se mettre au-dessus du calque marine. On va cliquer ici là sur calque ou sur calque plutôt de remplissage. On se met en noir en premier plan. On se fait calque de remplissage, on se met en dégradé. On fait OK. Là, on va se mettre en radial. Et on va inverser. Pas simuler, mais inverser. Vous voyez, histoire de faire un petit vignettage. Au niveau de l'échelle, on va pouvoir pousser. On va la pousser un petit peu. On va essayer de se mettre en 150. Donc là, c'est un peu trop sombre, effectivement. Mais le fait d'avoir fait un calque de remplissage, vous voyez que ça nous crée encore un masque. Donc on va prendre l'outil ellipse de sélection. Donc on se met bien sur le masque du fond en dégradé. Et puis on va se mettre en contour progressif. On va essayer de se mettre en 100, voire. Et là l'idée, c'est de faire un cercle à peu près au milieu du document. Donc voilà, à peu près comme ça. Et de venir remplir le masque en fait de noir. Donc on se remet en noir ici en premier plan. Et on le remplit. Et on peut le remplir plusieurs fois, vous voyez. Tac, ça s'éclaircit progressivement. Voilà. Ça nous permet de ne pas avoir des couleurs trop vives dans le ciel et tout. Si vous trouvez que c'est un peu trop sombre, bah, n'hésitez pas à baisser un petit peu son opacité. Hein. Moi je trouve que c'est pas mal en 90. Donc OK. Au niveau du gratte-ciel, tiens, on peut peut-être venir récupérer de la matière. Donc on peut se replacer sur le calque ville. Zoomer un petit peu. Et bon, on va partir de là à peu près. Donc on prend le lasso. Hein. On appuie, on clique. Et on appuie sur Alt et on clique. Et vous voyez. Du coup, la sélection est gardée. Et là, on va essayer de... Comme si on détourait la partie haute, en fait, de ce calque. Voilà. On vient essayer de faire ce genre de sélection pour, du coup, copier et coller par-dessus directement. Donc là, ça se voit pas parce qu'il est vraiment à l'endroit exact. Vous voyez qu'on peut le déplacer. Et on peut, pourquoi pas, le mettre un peu plus haut. On peut le réduire aussi, hein, si on veut, un petit peu. Après, c'est vous qui voyez. Voilà, histoire de, vous voyez, de le caler. Faire un système d'escalier. Tac, tac, tac. Voilà, on peut essayer de le faire chevaucher. Et regarder avec un masque, encore une fois. Si on crée un masque sur ce calque, qu'on reprend l'outil dégradé. On essaie de faire un petit dégradé comme ceci. Là, on peut venir le baisser. Simplement pour venir fondre là, cet élément. Sur le calque d'origine. Et si on voit qu'il y a un petit problème de raccord, ne pas hésiter à reprendre une forme diffuse. Et n'oublie pas de baisser toujours l'opacité hein, pour que ça se fonde bien. Voilà. Donc là on voit qu'il y a peut-être encore du jour. Voilà. Bon, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. On va rester comme ça. Maintenant, on peut venir installer les broches. Donc, j'aurais peut-être dû vous les faire installer avant. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enregistrer ce document. On va l'enregistrer donc, dans un dossier, par exemple, sur le bureau, hein, n'importe où. Moi, je vais l'appeler BF Compo. Donc, c'est ce fichier que vous aurez en source. Et là, je vais vous demander de quitter vous Photoshop. Moi, je vais pas le faire. Mais pourquoi je vous dis ça? Tout simplement pour venir installer nos brushes. Donc, on ouvre le dossier application. On va dans Photoshop, dans Preset et dans Brush. Et là, vous allez venir copier toutes les brushes qui sont dans le dossier Brush. Donc, vous les copiez et vous les collez ou vous les glissez directement dans le dossier Brush.
Pour les utilisateurs de Windows, ça doit être dans Program Files, Adobe, c'est exactement pareil. Adobe, Photoshop. Une fois que vous êtes dans Photoshop, c'est dans Preset. Et après, dans Preset, dans Brush. Et puis, vous collez ça dedans. Là, vous relancez Photoshop, vous rouvrez le document. Et comme ça, on va pouvoir installer nos packs de brush maintenant. Donc, pour installer un pack de brush, bah, c'est assez facile. Hein. On prend par exemple ici le pinceau. Et comme si on voulait changer d'épaisseur, vous voyez. Ici, il y a une petite, un petit écrou. Et on va venir pouvoir charger nos formes. Par exemple, vous voyez, Water, Water 2. Donc là, on va charger ces deux formes, Water et Water 2. Vous cliquez dessus, vous faites Ajouter. Donc vous faites ça pour ces deux brushes, Water et Water 2. Et vous allez pouvoir les récupérer, vous voyez, dans vos formes ici. Et là, on va venir récupérer une brush qui est pas mal. Alors c'est celle-là qui est à 320 par défaut en épaisseur. Vous voyez ça. Alors si je fais un nouveau document au-dessus de Marine et que je me mets en 100%, ça nous fait une sorte de d'éclaboussure. Donc après, à voir le style que vous voulez donner, soit vous voulez faire une éclaboussure noire ou blanche. Blanche, ça peut être aussi sympa. Par contre, au niveau de l'épaisseur, c'est un peu trop gros. On peut essayer de se mettre en 150, voire. Vous voyez, vous donnez un petit coup. Toc. Sur sa godasse directement. Un peu comme ça. Ou si vous voulez vraiment faire un truc plus gros, vous pouvez. Comme ça. Ici, on peut faire ça aussi comme ça. Baisser un petit peu l'opacité, par exemple ici. Voilà. Bref, faut savoir qu'on peut encore réappliquer un masque par-dessus et réappliquer notre forme, la même forme sur notre masque. Voilà, donc par contre en opacité on peut se mettre un peu en 40 à peu près pour atténuer tout ça. Donc là on a l'impression qu'ils ont les pieds dans l'eau. Voilà, ne pas hésiter à dupliquer ce même calque, par exemple, en le faisant glisser à côté de la petite corbeille, et d'appuyer sur les touches CTRL-T pour transformation manuelle, et faire une symétrie horizontale. Vous voyez, par exemple, là on a vraiment l'impression d'éclaboussure. Donc là, par contre, le fait d'avoir fait ça, on a de la matière en trop ici, donc on peut supprimer. Donc on se retrouve avec juste un calque dupliqué qu'on peut redupliquer ici par exemple et puis ici aussi. Voilà. Après ça fait beaucoup de calques, donc moi généralement ce que je fais c'est que je les sélectionne tous, je clique droit fusionner les calques pour n'en faire qu'un. Si je trouve que c'est trop voyant, je peux baisser un petit peu l'opacité, la mettre à 90. Surtout n'oubliez pas de renommer, on peut mettre brush haut par exemple. Ok, donc là on est bien. Alors je réfléchis, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Donc on avait sur la compo, je vous avais préparé, donc j'avais mis des herbes. Pourquoi pas, tant qu'à faire, tant qu'on est dans les brushes, pourquoi pas mettre des petites herbes au premier plan. Donc créer un nouveau calque qu'on peut appeler brush herbe, et on va venir encore une fois charger nos brushes. Donc on prend le pinceau, on clique sur nos formes et puis on vient chercher grâce ça doit s'appeler grâce ou free ps grâce brush. On vient donc les charger, on ajoute directement, et là vous voyez qu'il y a plein de brushes de brins d'herbe en fait. Donc on va se mettre en noir dans le sélecteur en premier plan. Et là, on va donner juste des petits coups. Vous voyez en bas. On n'hésite pas à jouer avec l'échelle. Pas trop non plus, parce que ça fait bizarre sinon. Donc on en met des plus grosses, des plus petites. On n'hésite pas à changer non plus de forme. Voilà. On clique.
Donc là, ça n'a pas l'air de faire grand chose parce que, ah oui, elles sont blanches, vous voyez, c'est pas terrible. Celle-là, elle est pas terrible non plus. Faut venir tester. Donc ça peut être sympa. Vous voyez. Vous n'êtes pas obligé de vraiment être au bord comme ça du document. Vous pouvez vraiment être à l'extérieur et donner, vous voyez, un petit coup toc, par endroit. Baisser encore une fois. Toc. Comme ça, on a plus l'impression que, pas que c'est réel. Faites de jouer avec l'échelle, l'épaisseur de la brush. Le fait d'en changer aussi. Donc je vous déconseille là les brushes qui sont blanches, là, ça fait bizarre je trouve. Voilà, on n'hésite pas. On se met en plus petit. Hop. Ce qu'on peut venir faire une fois qu'on a fait ça, c'est dupliquer par exemple ce calque. Vous voyez, donc pour le dupliquer, on appuie sur Alt et on clique. Vous voyez, ça le duplique. Ctrl T, symétrie horizontale. Et on peut peut-être venir le réduire aussi un petit peu. Voilà, et le redupliquer encore une fois. Voilà, pour que ça s'étoffe un petit peu. Ok, bon, là on est pas mal. Donc la broche herbe, on peut venir, enfin nos trois calques, on peut faire clic droit, fusionner les calques. Puis bon, enlever broche herbe copie, là, par exemple. La renommer en broche herbe. Ok, donc là, on est bien. Au niveau des marines, on peut peut-être venir, alors soit dupliquer le calque, comme ceci, et lui mettre un mode de fusion incrustation, ou lumière tamisée plutôt, histoire de leur donner un peu plus de pêche, parce que vous voyez là c'est un peu fade. Donc soit on joue encore avec les niveaux, hein, vous voyez, ce qui peut être pas mal aussi de jouer avec les niveaux, comme je vous dis, vous le dupliquez le calque marine et vous le mettez en lumière tamisée par exemple. Ça peut être ça. Moi j'aime bien plutôt jouer avec les niveaux parce que je vois directement. Je peux gérer l'intensité de la lumière et des noirs, des gris. Voilà, par exemple, là, ils ressortent un peu plus, hein, vous voyez. Là, c'est pas mal. Et ce qu'on peut venir faire aussi, c'est de créer une sorte de léger brouillard tout autour. Donc, pour faire un brouillard, vous allez voir que c'est très simple. Ça va pas, on va pas forcément s'en rendre compte sur la composition, mais vous saurez le faire plus tard. C'est en gros, là on va se mettre juste après le tank, enfin sur le calque le tank, on va créer un nouveau document qu'on va appeler par exemple brouillard, enfin un nouveau calque, et on va prendre l'outil dégradé, noir et blanc, on va faire un dégradé un peu au pif, hein, et on va cliquer sur filtre, donc on se met bien en noir et blanc, hein, on fait le dégradé, on se met sur filtre rendu nuage. Oups, là j'ai fait halo. Filtre rendu nuage. Et là vous voyez qu'il nous fait une sorte de brouillard déjà. C'est un peu grossier, mais ce qu'on peut venir faire, c'est tout de suite faire CTRL T. Vous voyez, venir réduire tout ça. Se positionner un peu comme ça. Et réappliquer encore un masque. Alors vous voyez que quand même l'intérêt de faire des masques dans Photoshop, ça nous permet vraiment de fondre la matière. Les calques avec les autres. Donc on peut se mettre en épaisseur 102, prendre une forme diffuse, hein. Opacité 43, c'est pas trop mal. Et là, on va donner des petits coups. Vous voyez, nos calques brouillard. Déjà sur tous les bords, hein, parce que là, ça nous, on voit le carré, donc c'est pas terrible. Mais aussi un petit peu dans le cœur du calque. N'hésitez pas à vous replacer, à le remonter, hein, pour y voir un peu plus clair. Donc là, ça peut même simuler un crash d'hélico, un hélico qui a pris un missile, n'importe quoi. Donc voilà, on clique, on clique, on clique. Et puis là, il nous en reste un petit peu ici aussi à enlever. Toc. Voilà, c'est pas trop mal. Donc là on peut venir se mettre même derrière
ou derrière le tank. Là, il nous en reste un petit peu à enlever. Tac. Et du coup, bah voilà, venir créer un léger brouillard dans. Dans notre composition. Alors je sais pas pourquoi j'ai fait ça à côté moi. Tac. Voilà, donc c'est une petite technique à connaître. Pas hésiter à repasser un peu sur l'hélico aussi pour laisser la transparence hein, du brouillard. Voilà, ouais, y en a un petit peu encore en bas qu'on peut supprimer. Bon, après, c'est vraiment à vous de voir. Et l'intérêt, c'est qu'on peut venir le dupliquer, encore une fois, vous voyez. CTRL-T, le réduire, et remettre des petites zones de brouillard où bon nous semble. Voilà, voilà. Donc. Bon, après, c'est vraiment à vous de voir. C'est votre composition. Donc là, on va venir rajouter un peu de noir derrière les bonhommes, derrière le tank, histoire que ça se fasse un peu moins fouillis. Donc on peut se mettre au-dessus de la ville, créer un nouveau calque qu'on va appeler, je sais pas, noir. Je suis pas très fort avec les appellations. On peut se mettre, ça me paraît pas mal, à peu près en 200% d'épaisseur. Au niveau de l'opacité, on peut se mettre en 30. Et vous voyez, juste derrière les petits bonhommes, on va venir donner des petits coups. Voilà. Derrière le tank aussi, on donne des petits coups comme ça. Tout ça, ça ressort un peu plus. Aussi. Voilà. Bon, si on trouve qu'on a donné des trous, des coups un peu trop noirs, pas grave. Hein, on refait un masque. On se remet en noir par-dessus. Tac. On peut baisser l'opacité et tout simplement enlever un petit peu de noir. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc moi je trouve que c'est un peu mieux, vous voyez. Le char il ressort un peu plus du coup. Donc voilà, c'est pas mal du tout. Donc là on va venir se positionner sur le calque noir et blanc. Donc tout au-dessus. Hein. Et on clique ici et on va cliquer sur balance des couleurs. On reste dans les tons moyens hein, et au niveau du cyan, on va se mettre à peu près à moins 25. Au niveau du magenta, à peu près à moins 10. Et ici, vers le bleu, on va tirer vers les plus 10 à peu près. Donc là, vous voyez qu'en gros, tout notre document s'est bleui hein, à cause de la balance des couleurs. Et Photoshop nous a recréé un masque juste à côté. Donc, comme tout à l'heure, on va reprendre l'outil dégradé. On se place bien dans le masque, on appuie sur Shift et on donne un petit coup de dégradé. On essaye de trouver un effet sympa. Alors moi, ce que j'aimerais bien, c'est que le milieu de mon tank soit en noir et blanc et le reste soit qu'un petit dégradé du noir et blanc vers le bleu hein. Et je veux que tous mes bonhommes soient en noir et blanc. Donc là on est à peu près bien, sauf que mes bonhommes, vous voyez ils ont pris un petit peu de bleu au niveau du casque. Donc on se repositionne dans le masque, on va baisser un petit peu l'épaisseur et voilà, on vient gommer au niveau de la tête des bonhommes. On peut se mettre même en 100% hein, en opacité. Voilà, lui aussi il a pris un peu sur la tronche. Et lui aussi. Voilà. Donc là, moi, ça me plaît bien. Là, on est bon. Maintenant, on va venir créer des petites puces. Comme vous avez dû le voir sur sur ce que j'ai essayé de vous faire dans la présentation, des petites lucioles en fait qu'il y a sur les jaquettes de Battlefield. Mais juste avant ça, j'aimerais bien rajouter encore un petit peu plus de noir juste derrière les Marines, en fait entre les Marines et le tank, histoire d'y voir que ça ressorte un peu plus.
Donc les marines sont là. On va recréer un nouveau calque. On prend une forme diffuse. Hein. On se met à peu près à 100, 150, 130 pixels, c'est bien. Opacité, on peut se mettre en 40. Et on va se mettre juste entre les marines et le tank. Et vous voyez, on vient juste donner des petits coups, histoire de les faire ressortir un petit peu. Voilà. Voilà. Et si on veut, on peut donner des petits coups aussi dans le ciel. Ok, et pourquoi pas aussi un petit peu. Au niveau du sol, alors on peut peut-être baisser aussi un peu l'opacité. Hein. Voilà, je me suis mis à 9, plutôt à 20. Voilà, histoire d'apporter un peu plus de contraste à notre image. Ok, alors maintenant, je vais vous demander d'ouvrir dans nos images le fichier bulle.png. Il faut ouvrir avec Photoshop. Donc ça, c'est tout simplement des bulles que je vous ai préparées pour pouvoir les disposer sur notre composition. Donc pour faire ce genre de bulles, hein, c'est très simple. Hein. Vous faites par exemple un nouveau calque. Vous faites des cercles, plusieurs cercles. Toc. Enfin, essayez de faire des cercles droits en appuyant sur Shift. Et puis vous les remplissez d'une couleur. Donc là, par exemple, jaune. Et vous dupliquez à l'infini voilà, vos cercles. Vous pouvez réduire leur taille aussi. Hein. Ça n'a rien de trop en faire. Par exemple, vous en mettez en orange. Et puis, vous pouvez venir tout fusionner après. Les dupliquer. En faire des plus petits. Voilà, les redupliquer les plus grosses, par exemple, appliquer du flou gaussien. Voilà, vos bulles, par exemple, et pour arriver à ce genre de résultat. Donc vous voyez que c'est pas très, très compliqué à faire, mais je le fais pas parce que c'est un peu long, et puis le tuto, il va encore durer des heures sinon. Donc, le bulle.png, on vient le glisser directement dans notre composition. Alors soit on garde ces effets noir et blanc de bulles, c'est aussi rigolo, ou sinon on le place au premier plan pour vraiment avoir les effets présents sur les jaquettes. Et là on va se mettre en lumière vive. Voilà. Donc après on se positionne un peu comme on veut. Si vous voulez réduire un petit peu, on peut réduire. Donc de l'arme jusqu'au bras par exemple du marine. Voilà, et puis bien sûr on peut réappliquer un masque hein, si on veut, donc ça on peut déjà l'appeler bulle. Appliquer un petit masque, tac, se remettre en noir, baisser un petit peu l'opacité du pinceau et vous voyez, donner des petits coups pour atténuer aussi les bulles qui sont trop vives, par exemple. Voilà, donc après, bon, on peut vraiment s'amuser. Hein. Ok, voilà. Donc là, on est bien. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être au niveau du calque noir et blanc. Aussi, c'est remettre peut-être un peu plus de noir et blanc dans notre document, dans la partie haute. C'est peut-être un peu trop bleu par endroit. Donc pareil, hein, vous prenez le pinceau, vous mettez en 50% et on va venir donner des petits coups hein, dans le ciel, un peu sur l'hélico pour enlever le surplus de bleu de l'image. Voilà, bah, j'ai envie de vous dire que c'est pas trop mal, hein, là on s'en est bien sorti. On peut venir récupérer le logo Battlefield dans nos images, donc bf.png. On le fait glisser par exemple ici. On raffiche le repère, vous rappelez CTRL et H. Donc normalement il se place bien au milieu.
Et là, bah, on va venir se placer le BF, le Battlefield, vraiment en premier plan. Voilà. Après, on peut peut-être contraster aussi un peu plus le tank. Mettre un petit peu plus de noir. Un petit peu plus de blanc. On pousse les blancs. Et puis, bah, les gris, on peut aussi les pousser un petit peu. Vous voyez? Si je fais CTRL Z, là, on le voit un peu plus du coup. Et j'ai envie de faire pareil avec la ville. Hop. Venir la contraster un petit peu plus. Voilà. Voilà. Vous voyez, on la voit aussi un peu plus. Ce qu'on peut venir faire en dernier lieu aussi, c'est recréer un nouveau calque. Et vous devez avoir des brushes. Donc là, on va se mettre en noir, dans le sélecteur, en premier plan. Vous devez avoir une brush qui doit s'appeler Grunge et une autre qui doit s'appeler Secretly quelque chose. Je crois que c'est ça, Dirt-Dirt. Donc c'est des brushes pour venir salir un peu le document. Alors j'ai pas dû les appeler, tiens, bah, je vais les appeler. Alors le grunge, on l'ajoute. Et vous voyez, ça nous permet de faire des petits cadres comme ça, grunge, dans les rebords de notre document. Alors il y en a plein, enfin il y en a plein, il n'y en a pas beaucoup, mais dans l'autre, je pense qu'il y en a un peu plus. Là, ça nous permet de salir un peu plus le document, de rajouter un peu plus, par exemple, de poussière. Alors si on se remet en sang, en opacité, qu'on baisse un petit peu l'épaisseur, vous voyez, ça peut être, je sais pas, des projectiles qu'on peut venir mettre un petit peu partout sur le document. Bah après, faut regarder, il y en a pas mal. Voilà. Là, au niveau du lettrage Battlefield, ou un petit peu en haut par exemple. Si on appelle l'autre brush, donc ça devait être toc toc le Secretly quelque chose hein, qu'on ajoute. Voilà, bah, ça nous ajoute d'autres matières un peu sales. Bon après faut vraiment faut jongler entre les matières. Il y en a qui sont mieux les unes par rapport aux autres. Là, donc par défaut elles sont vachement grandes. C'est pas des fois c'est un peu chiant, j'avoue. Si j'enlève, tac. Ah, il y en a qui sont bien, mais pas forcément compatibles aussi avec ce qu'on veut faire. Voilà, genre de petites brushes là, c'est pas mal. Ça rajoute des projectiles, je suis assez fan de ça. Voilà, bon, après faut s'amuser, hein, faut pas hésiter, vous les testez toutes. Celle que vous aimez bien, n'hésitez pas même à les noter sur un petit bout de papier. Que plus on a de brush, ben, plus après c'est difficile de s'en souvenir. Donc voilà, bon après ça sert à rien non plus de trop en mettre. Là, on est pas mal. Au niveau aussi du... Alors, je sais plus quel calque c'était, peut-être le sol 2. Ouais, le sol 2 peut-être... Enlever un peu de matière, se remettre en 80, pinceau, opacité 30, 35. Alors, c'était lui. Non, c'était pas lui, c'était. Si, c'est lui. Et garder un peu de. Les stries, de l'eau. Voilà,
Et normalement, là, je pense qu'on devrait pas être mal, là. Après, le sol, on peut aussi, pourquoi pas, lui appliquer un petit masque. Hein. Opacité, on peut se mettre en 15. Histoire d'enlever les zones trop blanches. Voilà. Bon, moi, ça me paraît pas mal. Ça me paraît même très bien. Alors, ce que j'ai tendance à faire aussi... Ah si, tiens. On va venir finaliser. Alors, si on se met sur le calque marine... Vous voyez, il y a des petits jours, là. Donc, bah, vu qu'on a déjà un masque, hein, on va venir se mettre dessus, sur le masque, prendre un pinceau pas trop gros, en 2 pixels. Et là, vous voyez, on refait du shift, clic, on va venir gommer. Alors, on peut peut-être se mettre en 5 pixels, même. Ah, c'est un peu trop gros. 4. Voilà. Bon, on peut même venir zapper quelques éléments. C'est pas non plus très, très gênant. Donc, là, vous voyez, il y a des petits liserés blancs là, tout autour de sa peau. C'est pas terrible. Lui pareil là au niveau de son casque. Après c'est du peaufinage hein, donc je vous laisserai le soin de peaufiner par vous-même. Tac. Normalement là on doit être bien. Lui il en a aussi un petit peu là vous voyez. Tac. Et puis bah voilà, j'ai envie de vous dire, ça m'a l'air pas mal tout ça. Ici, vous voyez, il y a une petite coquille, par exemple. On va venir supprimer tout ça. Donc, pour faire un petit tour sur le document, en gros, voir s'il n'y a pas trop d'erreurs, il n'y a pas trop de coquilles. Là, moi, je trouve qu'on est assez bien. Donc, n'oubliez pas d'enregistrer. Et la dernière petite chose que j'ai tendance à faire, c'est quand j'ai terminé une compo, eh ben je fais tout sélectionner, donc CTRL A ou commande A, et je fais copier avec Fusion, donc soit édition, copier avec Fusion, pour prendre vraiment l'ensemble de notre document, copier l'ensemble de notre document, et non pas le calque ici par exemple en question. Donc CTRL SHIFT C ou commande SHIFT C, CTRL N, là normalement Photoshop nous garde les dimensions dans le presse-papier. On fait OK et on colle. Après, eh bien, je repousse un peu les niveaux, donc je refais commande L ou contrôle L. Vous voyez, je peux repousser un peu les blancs, histoire de voir un peu plus clair. Les noirs, bah, après, c'est pas forcément, là, c'est quand même assez sombre. Là, si vous trouvez que même c'est trop sombre, bah, ne pas hésiter à diminuer un peu les gris. Voilà, là je trouve que, vous voyez, ça a déjà un peu plus de peps, l'affiche. Et puis voilà, puis en dernier lieu aussi, si vous voulez accentuer le vignettage de l'affiche, vous pouvez cliquer sur filtre, correction de l'objectif, personnaliser. Et là, vous voyez, au niveau de la vignette, on va venir... Voilà. On va venir quand pousser le curseur vers la gauche, histoire d'accentuer, vous voyez, le vignettage. Et là, on peut venir augmenter un peu le milieu, pour pas que ça morde trop sur notre document. Pas non plus trop pousser, ça sert à rien. Et on fait OK pour valider. Vous voyez, là, on a accentué un petit peu les coins, c'est... On voit pas trop trop, mais bon, ça donne quand même un peu plus de style, je trouve. Si une dernière chose qu'on n'a pas faite, on aurait peut-être dû le faire avant d'aplatir l'image. Enfin, pas d'aplatir, mais de la copier sur une autre, sur une, un autre document, un nouveau document. On aurait pu prendre l'outil texte, se mettre en blanc, par exemple. Donc là, on se remet au premier plan et remettre, vous voyez, avec Teammate, donc vous prenez une police de l'Helvetica par exemple, hein, c'est très bien, en assez gras,
Donc, CTRL H ou commande H pour mettre le repère au milieu, pour se recentrer. Normalement, le battlefield, il est centré aussi, ouais, ok. Et ce que je voulais vous montrer, c'est que si on double-clique sur le calque avec Teammate, donc là, il est peut-être un petit peu gros, hein, je vais peut-être le diminuer un chouïa. Voilà, je le recale au milieu. Ok. Si on double-clique donc sur le calque avec Teammate, on va venir cliquer sur contour. Et dans le contour, on va venir se prendre une couleur orange. Orange qui pète un peu. Si on... Alors forcément, ça va être un peu terne, donc ne pas hésiter à booster un peu le orange, quitte à mettre une valeur, une nouvelle valeur. Voilà, on se met en taille, on peut se mettre en 2 pixels à peu près. On va se remettre en incrustation de couleur. On va se mettre dans un jaune assez clair. Là, je suis en F6 B6, et puis on va se mettre aussi une petite lueur externe. Donc au niveau de la couleur de la lueur externe, on peut se mettre en orange, donc on peut se mettre en FF5F2D. Voilà. Et là, on va pas hésiter à augmenter la taille de la lueur externe et se mettre aussi ici dans les modes de fusion en éclaircir. On peut grossir un petit peu, vous voyez, la lueur externe, augmenter un peu sa taille. L'opacité, si vous trouvez que c'est pas assez, vous pouvez le mettre à 100% ou la descendre un peu. Voilà, après au niveau du contour, là on voit peut-être trop le contour, on peut se remettre peut-être en 1 pixel. Voilà, c'est histoire d'apporter une petite lueur, il y a toujours une petite lueur externe sur la jaquette. Et bah là je trouve qu'on est bien. Après si on est sûr de cette police, si on veut pas la retoucher, on peut faire clic droit, donc pixeliser le calque, dupliquer le calque par exemple, prendre alors là on va mettre juste un coup de pinceau au pif ici, vous voyez, et on va venir supprimer le avec Teammate, ce qui va nous permettre de reprendre une forme aquatique. Donc par exemple la... Ouais, la... Non, pas la 204. Là... Alors là, il commence à y en avoir beaucoup. Peut-être la 1542. Ouais, voilà. Et se mettre à peu près, je sais pas, en 400. 400-500. Et donner, voyez, des petits coups par là. Le fait d'avoir dupliqué, vous voyez que ça, on a gardé en fait tous les styles qu'on a appliqués, donc contour, incrustation de couleur et lueur externe. C'est pour ça qu'il y a une petite lueur externe sur le document. Et d'ailleurs, si on se met en... Non, ça peut pas marcher. Mais il faudra supprimer, je veux dire, le petit point qu'on a mis en haut. Voilà. Et ça, on peut peut-être se mettre voilà, en arrière-plan, derrière le BF. Et là, on peut venir lui appliquer encore un masque. Prendre une épaisseur de pinceau de, je sais pas, entre 200 et 300. Opacité, on peut se mettre en 20. Et là, on va venir, vous voyez, donner des petits coups pour enlever toutes ces grosses particules là qui nous gênent. Par exemple, si on veut pas en mettre sur la tronche des bonhommes, bah voilà, on n'hésite pas à cliquer plusieurs fois. Voilà. Après, si on veut mettre d'une autre couleur, il faudra changer le contour. Se mettre par exemple en, vous voyez, en jaune. Ou après c'est comme vous voulez, ou un compromis entre le jaune et le orange. Voilà, quelque chose comme ça. Si on trouve qu'il y a trop de... Oups là. De petites pétouilles aussi par ici, on n'hésite pas, on enlève, on gomme.
Et voilà, et puis on peut venir baisser aussi un peu l'opacité de ce calque, pas trop non plus. On se met en 90 par exemple. Et voilà, j'ai envie de vous dire que le tuto se termine. On a peut-être mis quand même beaucoup de petits points, donc ouais, n'hésitez pas, hein. Ça sert à rien de trop en mettre, quoi. Après ça gâche aussi, ça gâche un peu le document aussi. Voilà, on en met juste quelques-uns, je suis en train de tout supprimer, mais bon, voilà, dans l'idée, ça peut donner quelque chose comme ça. Et du coup, ben, si je refais CTRL-C, donc j'enregistre CTRL ou COMMAND-SHIFT-C ou CTRL-SHIFT-C, pardon. Si je me repositionne donc sur ce calque et que je réapplique mon vignettage en faisant CTRL-F, vous vous rappelez, hein, dernier filtre, c'était correction de l'objectif. Ben voilà, là j'ai bien mon vignettage. Et du coup, bon, j'aurais même dû repousser un peu mes blancs avant. Mes gris, mes noirs, ils sont bien comme ils sont. Vous voyez, et là, je réapplique mon vignettage. Voilà. Et si le avec Teammate, vous trouvez qu'il ressort plus trop maintenant, vous reprenez cet outil, densité plus. Vous voyez, vous donnez des petits coups. Alors attention, jouez avec l'exposition. Mettez pas une exposition trop grande. Ça sert à rien. Et là, vous pouvez donner des petits coups pour faire ressortir un petit peu plus le mot. Voilà, j'espère que ce tuto vous aura plu. Hein. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, soit dans les commentaires de la chaîne YouTube, soit par mail à damien@team8.fr. Si vous avez aimé ce tuto, n'hésitez pas à le partager auprès de vos amis, de votre famille, et à vous abonner à la chaîne YouTube pour être tout simplement informé des prochains tutos. Je vous retrouve très prochainement pour une prochaine formation Photoshop. À bientôt.